Salut les New. Voilà, aujourd'hui on vous emmène, on est à Copenhague, la ville heureuse. Enfin, dans le quartier de Christiania. Dans le quartier de Christiania, oui, et alors je fais ma petite recherche, je ne sais pas si je vais trouver ce que je cherche précisément. Oh, c'est beau ça! Ben voilà, ça commence déjà. Ah, ça c'est très beau ça! Ça amuse mon chéri, hein. Ça l'a bien fait marrer, hein. C'est français. Oh. Là, le gars, je crois qu'on a du bol parce qu'on a trouvé une autre entrée. Ah, je suis trop contente là, je suis en mode happy à mort. Ah, ça commence bien là, hein. Une super porte colorée. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu un quartier qui rappelle l'enfance, en fait. Très coloré, très cool, très hippie, hein. C'est vraiment envie de faire la fête, en fait. Soit de faire la fête, soit de se reposer. Oui, c'est trop bien. Putain, on l'a trouvé. Personne, en plus. Alors là, on a visité un petit musée, on s'y attendait pas du tout. Et c'était vraiment, vraiment top. On va vous montrer ça tout de suite en images. Spécialité d'ici. Bah, bon appétit. C'est super bon. Voilà par quoi on commence. Je sais pas si vous voyez, mais c'est hyper fondant à l'intérieur, ça fond dans la bouche. C'est super bon. Et à l'autre qui me regarde là, juste là. Ouais, attends. Thank you.
C'est cool. On se croirait dans la niche girl. C'est beau, hein. C'est trop beau. Yeah. Bon, on va vous montrer quand même, hein. Alors, la deuxième activité que je vais vous proposer à faire, qui est vraiment sympa ici à Copenhague, c'est simplement d'aller faire un petit bateau qui fait tout un petit tour au niveau de la ville. Et c'est vraiment, vraiment sympa. Je vous montre ça. Non, je disais simplement, le gars, à mon avis, qui conduit le bateau, il doit avoir une bonne notion de distance de son véhicule, parce que je me dis, il a aucun rétroviseur, combien il fait pour faire un créneau? Ils veulent tous nous décapiter en fait. Ah, son drapeau il passe pas. Attends. Hop. Ah. Se faire tout ce petit. Ensuite, tu sais de bouger parce que j'ai pas de place là avec toi. Je passe sur toi. On est pas très grand. Oh putain, la vidéo quoi! Bon les gars! Alors là, on est très très près du mur, hein! Putain! Oh, c'est good for work! Right. What? So much excitement! Yeah! Woo! We made it! Pas loin. Ça va, mon chéri? Ça va.
fatigué, mais ça va. Reblandu. En train de dormir sur un petit bateau là. Et voilà, ici je passe à l'activité suivante qui est simplement une petite balade sur le vieux port et on va aller voir s'il y a une place pour boire bouge une petite bière. Bouge pas. Et Vincent fait une photo de moi. Super. Voir si on s'est passé devant le Hard Rock et Tivoli pour que Vincent puisse quand même profiter aussi, même si la fatigue le guette énormément vu qu'il travaille la nuit, c'est normal, il est vraiment vraiment fatigué. J'ai retrouvé ce que je voulais dire avant. En fait, le fait que Copenhague est considérée comme la ville du bonheur, moi j'ai eu des oui-dire comme quoi c'est du fait qu'ils sont très vite sous antidépresseurs, etc., vu que la luminosité manque un peu parfois. Et aussi, par contre, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la mentalité à Copenhague, voilà, si t'es gothique ou si t'es un look un peu à part, t'es très gros, t'es très mince, bah ils s'en foutent, il pleut, ils s'en foutent. Ils ont pris la part de vie en mode, bah écoute, on fait avec et on relativise. Ils essaient de relativiser beaucoup afin de profiter d'un maximum de choses, de vraiment savourer les choses pour ce qu'elles sont. Il pleut, bah c'est tant mieux, voilà, c'est un peu, c'est plus un concept de vie de se dire, bah voilà, plutôt que de râler parce qu'il fait mauvais, patati, patata, bah ça fait partie de la vie, et pourquoi pas en faire un point fort en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose de la mentalité danoise que j'apprécie beaucoup. Voilà, ici je me trouve sur la fameuse grande place de Copenhague avec le joli bâtiment qu'on voit derrière moi. Ici, il y a 30 secondes, il y a un mec qui faisait des grosses bulles. Et il faut savoir que c'est sur cette place aussi qu'on a tourné quelques épisodes, enfin quelques parties d'épisodes de la série The Rain sur Netflix que j'aime beaucoup. Et la musique est très sympa en plus.
ici. Bon, il y a le Tivoli derrière. Hein. Et moi, j'ai décidé d'emmener Vincent dans la gare pour qu'il voie un peu ce que c'est. Vous allez juste comprendre pourquoi. J'ai quand même une petite question. Oui. La tour qui est là. Est-ce qu'on ne la retrouve pas aussi à Stockholm? Ben, en fait, il y a un genre de Tivoli aussi, je crois, là-bas. Ah, il me semblait bien. Ouais, je sais pas si c'est le même. C'est exactement la même structure. Ok, donc je disais que je l'emmène dans la gare et vous allez comprendre pourquoi. Bon, c'est un truc simple et les trucs simples que moi j'aime beaucoup. Vous allez voir, allez, on y va. Ouais, moi j'aime beaucoup ici la toiture simplement parce qu'on dirait que c'est la coque d'un bateau qu'on aurait renversé et comme en plus on est dans un pays viking, je trouve ça assez sympa. Et j'ai déjà passé de très bons moments dans cette gare avec Mathieu qui était tout petit en Corée. Et ben voilà, c'est plus de rien. Et, si tu veux voir le même genre de gare en Belgique, tu vas renverser. Oui mais bon, c'est parce que si t'es à Copenhague et que ça crée un petit peu de... Mais non, c'est juste que c'est exactement exotisme, quoi. Pareil quoi. Ouais, c'était très, c'est vrai que c'est joli. Mais ici, on est plus loin, on est d'accord que c'est mieux. Office. Ouais, t'es pas en Belgique, quoi. C'est peut-être ça. Mais en vrai, je crois que c'est reconnu pour une des plus belles guerres du monde aussi. Oui, oui, voilà. J'ai une question. Je suppose que c'est pas à la gare qu'on doit attendre les coups. Non, on doit aller par derrière, en fait. Bon, bah, on va aller chercher notre Flixbus. Copenhague et ici on vient de se faire cire pas mal de temps en Flixbus tout simplement pour se retrouver dans un tout petit hôtel assez simple en attendant la journée de demain, mais par contre je vais pas vous dire ce qui nous attend parce que ça sera dans la prochaine vidéo, mais en attendant je vous suggère de vous abonner ici en bas là, vous voyez il y a un gros truc rouge, j'ai marqué abonner, mais faut appuyer dessus. Ce sera magique. En attendant, n'oubliez surtout pas que rêver sa vie, c'est une chose. Vivre ses rêves, c'est encore mieux. Salut! Voilà notre chambre. Et là-bas, je voulais pas faire une caméra, mais bon.